Sanso Expertise Comptable Zerbier présente le Digafoot des amateurs. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans le Digafoot des amateurs, l'émission consacrée uniquement au football amateur en Vendée. Ce soir, nous avons l'honneur de recevoir les représentants du Sèvremont Football Club. La première partie sera donc consacrée à notre club invité, puis nous laisserons la seconde partie à Fabrice pour évoquer les grandes actualités du moment du foot amateur en Vendée. Mais ce n'est pas tout, car en troisième mi-temps, nous aurons le plaisir d'échanger avec Mathieu Degnaud, auteur du livre « Un siècle de football en Vendée » sorti en mars. Messieurs, nous avons une émission riche et intense qui nous attend. C'est parti. Le Digafoot des amateurs, Pierre-Yves Rocher. On commence avec les représentants de Sèvremont. Bonsoir messieurs, je fais un petit tour. Monsieur Laurent Duval, président. Président, donc merci à toi, Pierre-Yves, et ton équipe de nous recevoir. Également Jean Degnaud, vice-président et ancien président du club. Bonsoir à tous. Et Aurélien Giraud, coach de l'équipe Fagnon des seniors. Bonsoir à tous. Et bien sûr, bonsoir monsieur Fabrice Limousin. Bonsoir Pierre-Yves, bonsoir à tous. Je vous rappelle, nous sommes en direct vidéo sur Facebook Live, Dig Radio Nord-Vendée, YouTube et Twitch. N'hésitez pas à réagir directement en commentaire du live. Monsieur Laurent Duval, on commence traditionnellement. Petite présentation du club. Donc le club, moi, c'est bon, je suis à la présidence depuis septembre dernier, donc j'arrive. Donc j'ai remplacé, comme tu l'as évoqué tout à l'heure, donc Jean, hein, qui est vice-président. Donc on est un club de 410 licenciés. Hein, et puis on est 20 membres dans le bureau, hein, avec énormément de licenciés bénévoles. Hein, c'est une cinquantaine. Et on en a une centaine à côté, donc de bénévoles non licenciés, qui couvrent tout ce qui est les bars le week-end, les traceurs de terrain, nos anciens qui nettoient les vestiaires le lundi. Donc c'est une grosse machine. Voilà. Et en termes d'infrastructure ? Alors, nous n'avons que des terrains en herbe. Hein, donc je pense qu'on en parlera un petit peu tout à l'heure, parce que on pourra avoir suivi donc, vos émissions précédentes. Nous, on n'a que des terrains en herbe, on a 5 terrains en herbe. Voilà. Donc 5 terrains en herbe. C'est pas facile, parce qu'on est sur 4 communes. C'est pas facile cette année avec les intempéries qu'on a depuis la mi-octobre. Ah, il pleut chez vous. Bah oui, il pleut. Hein, il pleut un petit peu partout. c'est pas simple. Hein. Et puis en fait, donc, c'est Sèvremont, c'est la fusion donc, de 4 communes, hein, pour ceux qui ne le savent pas, donc pour conclure ma petite partie. Donc, on a les Châteaux et les Châteaux-Mur, la Flosselière, Saint-Michel-Mont-Mercure et la Pommeraye-sur-Sèvre. D'accord. Et en distance, si ceux qui ne connaissent pas bien un peu le secteur, ça représente sur les... C'est relativement proche. Hein. Le plus loin doit être à 4-5 km ouais, entre la Pommeraye et Saint-Michel. Mais autrement, c'est donc des communes les qui se touchent. Les 5 terrains sont répartis sur ces communes-là. Voilà, en fait, c'est les terrains d'origine qui étaient dans les clubs à la base. Et il y a eu plusieurs fusions au niveau historique. Et donc, Sèvremont Football Club, le nom, est depuis 2021. Avant, c'était Flochamont-sur-Sèvre, donc qui reprenait le nom de chaque commune d'origine. Maintenant, on est une seule et même commune, Sèvremont. Donc, c'est pas trop compliqué vu la distance à gérer les. En tout cas, les dispositions des terrains dans les plannings, tout ça. Ouais, ça puis en plus, on a aussi récupéré, il faut le signaler, donc un club voisin, donc Saint-Amand-sur-Sèvre, hein, qui est limitrophe donc à nos communes qu'on a citées là, donc où on a une quarantaine de jeunes. Certainement sur Sèvres, le club n'a plus d'équipe jeune. Tous les jeunes, de U6 à U18, ils n'ont plus que 3 équipes seniors. Donc voilà, on les a récupérés au retour du Covid, il y a 2 ans. Il y a 2 ans. Donc on a ce petit plus avec nos amis des deux Sèvres. Des salariés ? Oui, on a un salarié, donc temps plein 35 heures. On a 2 apprentis, hein, des jeunes qui sont à l'école, à l'IRSS à Cholet. En BPGEPS. Ouais, d'accord. Et qu'on a donc voilà pour compléter l'effectif. Donc et en plus on a des bénévoles qui sont diplômés. Hein, parce que, voilà, il en faut aussi. Et puis on a Aurélien donc qui couvre lui toute la partie senior. Il est coach de l'équipe première, mais c'est l'entraîneur général. Ouais. Et votre salarié, il s'occupe de quelle catégorie ? Quelles sont ses tâches ? Donc, il s'occupe de l'ensemble des catégories jeunes. Donc en termes de fonctionnement, de logistique. Et puis après, par catégorie, on a des responsables, éducateurs bénévoles. Mais lui, il est un petit peu à l'harmonisation de toute cette organisation-là.
Okay. Parce qu'au niveau des jeunes, ça représente environ 270 licenciés. Oui, c'est ce que j'allais demander. Donc, en termes de licenciés, vous avez dit tout à l'heure, mais si on fait la répartition entre, on va dire, l'école de foot pure, le foot animation U6, U7, U8, U9, bon, là, vous êtes sur combien de licenciés ? Concrètement, U6, U7, entre 30 et 40 licenciés. La même chose en U8, U9. En U11, on a 4 équipes. U12, U13 également. 3 équipes U15. 2 équipes U18. Ensuite, 4 équipes seniors plus une équipe loisir. Donc, ça représente quand même pas mal de monde. Ouais, ça fait du monde. Ouais, il faut bien animer tout ça, c'est le cas de le dire. Un peu de féminine ou pas du tout ? Bah, qui joue donc dans les ouais, jusqu'aux catégories autorisées. Mais c'est un axe de développement qui est en réflexion. Il y a Aurélien Giroud qui fait un grand huit de la tête. Ouais, ça fait partie d'un des axes de développement du club. Ouais. C'est un peu ce que vous avez en tête. Vous en avez chez les jeunes, mais pas encore. Vous n'avez pas encore lancé un peu ça en termes de seniors. Bah, on a une commission là au niveau du bureau qui est en réflexion, avec des portes ouvertes d'ailleurs qui vont se dérouler là prochainement sur des samedis matin. Mais c'est aussi à mettre en lien avec nos infrastructures, parce que dès lors qu'on va intégrer des équipes féminines, il faut aussi avoir les infrastructures qui soient un peu séparées, dépendantes de ça. Et pour l'instant, c'est un peu stand-by. Il y a ça, et puis il y a l'occupation des terrains. Si c'est déjà délicat, effectivement, avec les jeunes, les garçons et les moins jeunes garçons, c'est vrai que si on rajoute... alors, elles sont les bienvenues, hein, j'en doute pas, mais ça fait forcément un petit peu plus de créneaux à caler également. Surtout qu'on a uniquement deux terrains éclairés pour l'instant. D'accord. Donc, en occupation du terrain, c'est... Ça doit être assez compliqué. Mais cette année, ça va, il fait beau. Donc, non, mais justement, on est sur les terrains, donc pas de synthétique... malgré la taille et le nombre de communes, est-ce que on peut espérer un projet en ce sens-là, ou pour l'instant ça reste une priorité qu'on ait un jour un synthétique, hein, surtout quand on voit l'hiver qu'on vient de passer, qui n'est encore pas terminé. Et puis en fait, Jean, mon prédécesseur, donc c'est un dossier qu'on a mis en place il y a 10 ans, hein, voilà. Et puis au jour d'aujourd'hui, donc on a eu la réponse il y a un an, hein, au démarrage de la saison. Comme quoi, la mairie, c'était non, parce que les décideurs, c'est eux. Bien sûr. Voilà, on est, ça serait que le foot, mais il n'y a pas de soucis, hein, tout le monde y va. Hein. Mais là, c'est eux qui décident. Donc maintenant, c'est handicapant, parce qu'on l'a vu cette saison. Hein, mais il y aura sûrement des jours meilleurs, parce que le dossier, il faut le garder bien au chaud chez nous, et puis, puis le relancer quand... sûrement aux prochaines élections qui approchent. D'accord. Quand vous parlez de la mairie, excuse-moi Fabrice, en Vendée, on entend beaucoup plus parler des com-com que des mairies en général. Ouais. C'est souvent ça. Est-ce que là, on dépend de quel com-com ? Donc, c'est commune de Pouzauges, pays de Pouzauges. D'accord. Et donc, là, c'est. Un terrain synthétique sur Pouzauges. D'accord. Mais. Considère que c'est suffisant sur le territoire. Bon, en tout cas. Mais pour l'instant, on n'a pas de créneau sur ce terrain-là. Donc, La priorité va au club de Pouzauges ? Ou est-ce que. D'accord. Ok. Bon. Il n'y a pas très longtemps qu'on maîtrise ce sujet-là. Parce qu'à l'époque, ça avait été entre autres financé par la COPCOM. Donc, on pourrait éventuellement, si ça se passe encore mal les mois, les années à venir, on pourrait y aller. Bon, on va étudier ça. Mais on est d'accord que, alors, si j'ai bien compris, le club de Sèvremont est né d'une fusion de communes. Oui. On est bien d'accord. Donc aujourd'hui, toutes ces communes ne font plus qu'une. On n'a pas la problématique d'avoir deux ou trois mairies différentes qui peinent à trouver un accord, effectivement, sur où le mettre, sur quelle commune le mettre, qui va payer, effectivement, pourquoi payer sur une autre commune alors que... Voilà. Non, là, c'est une seule et même entité. On n'a plus qu'une seule entité. Bon, on pourrait croire que ça puisse faciliter les choses, et a priori, ça ne l'est pas non plus. Parce que ça dépend d'une volonté aussi. Après, on l'a entendu, on l'a, même si au niveau du bureau et du club, c'est un outil de travail qui est fonctionnel, primordial. Qui est primordial. Surtout qu'on a un salarié, on a des jeunes que l'on forme, donc indirectement, ça peut aussi influencer leur choix, leurs décisions. Et ça, c'est compréhensible aussi. Donc, on ne lâche pas le morceau. Bien sûr. En tout cas, on vous souhaite de continuer à mettre ce dossier en avant et un jour d'avoir cette infrastructure qui aujourd'hui, tout le monde le met en avant, que ce soit la FFF, le district, la Ligue, tout le monde met cet outil en avant, surtout quand on voit la saison qu'on vient de passer et elle n'est pas terminée.
mais en espérant que la pluie finisse par se terminer quand même. Alors juste pour vous dire, donc moi j'entraîne à Tréceptier à côté, on bénéficie d'un terrain synthétique intercommunal, on a des créneaux, voilà. Mais ça peut être une piste aussi. On aurait pu en parler en off, hein, mais je vous le dis, ça, non, ça existe par, en tout cas. Par contre, nous ce qui est un petit peu malheureux, bon, c'est vrai que puis ça tombe très très mal, parce que bon, faut quand même le rajouter, c'est que bon, la commune, bon, c'est non pour le synthétique, par contre... il s'est engagé au niveau des subventions à mettre un peu plus donc, d'argent sur l'entretien des terrains. Et là, pauvre, là, on a la saison combat. Donc, plus personne ne peut y aller. On ne peut plus aller sur les terrains. Ils sont, voilà, ils sont... Et puis, ils annoncent de l'eau encore jusqu'au 15 avril. Donc, on va encore un petit peu patienter. Mais ça va aller mieux après. Il faut rester. Mais bon, nous, le synthétique, c'est, on y pense jour et nuit pour finir. Il n'y a pas de souci. D'accord. Alors, il y a quand même le projet, par contre, de rajouter un éclairage sur un terrain, ce qui pourrait permettre de délester aussi notre fonctionnement. Mais ça, c'est validé. Bon, justement, du coup, je vais passer au senior, puisque un groupe qui peut être impacté fortement par les histoires de terrain, c'est bien également l'équipe senior. Combien, Aurélien, combien de joueurs, du coup, dans le groupe senior cette saison ? Dans le groupe senior, on a 4 équipes. Donc, ça représente, je ne sais pas, 80 ouais. Loisirs, ça fait une centaine. Une centaine de joueurs, ouais. Centaine de joueurs pour 4 équipes, là, c'est... Avec les loisirs. On est en plein dans la marge qu'il faut, 20 joueurs par équipe. Mais on a pas de problématique pour les week-ends, partir... On n'a jamais connu cette année de problème d'effectifs, donc ça, c'est plutôt appréciable, ouais. Et si on parle de la saison au niveau sportif un petit peu là, est-ce que du coup 4 équipes, là, si on commence par l'équipe la moins bien classée ou en tout cas je sais pas comment la dire plus basse. La plus basse, voilà, je veux dénigrer personne parce que c'est chaque niveau a son plaisir. Donc, Si on commence par l'équipe la plus basse, l'équipe 4, elle est bien dans son championnat, on va dire, elle joue en 5e division, donc ils prennent beaucoup de plaisir. Le week-end, ils sont bien situés dans leur groupe, donc ça se passe très bien avec ce groupe-là, comme avec l'ensemble des seniors cette saison. Enfin, moi, c'est ma première année au club. Après, là, on va dire que là, pour le moment, c'est l'équipe 3 qui est un petit peu moins bien classée hein, au niveau comptable. Ils sont 10e sur 12. En D4 En D4, en 4e division, voilà. Et malgré tout, ça se passe très bien avec ce groupe-là aussi. On a l'équipe 2 qui est en 3e division, donc qui est classée 5e, donc qui est déjà maintenue. Et puis nous, l'équipe première, donc en régional 3, on est 5e aussi. On n'est pas encore mathématiquement maintenu, mais bon, voilà, je pense que... Ouais. Il a raison. C'est le coach qui parle. C'est ça. On a déjà fait un bon creux avec les équipes en bas, donc il y a un petit peu de marge, effectivement. Ouais. Donc du plaisir pour finir la saison. Ouais, c'est vrai que c'est quand même appréciable d'avoir un bilan comptable intéressant à cette période de la saison. Ça permet d'être plus relâché quand même. Même pour nous, les coachs, hein, c'est vrai que quand on est en fin de saison, les derniers matchs, quand on est un peu moins sous tension. Un peu, ouais, exactement, y a moins de tension. Même pour les joueurs, on joue un peu plus relâché, on va dire. On peut mettre d'autres choses en place peut-être aussi. Donc c'est vrai que c'est plutôt sympa de ce côté-là. Et puis il y a un parcours en coupe aussi, il me semble. Tout à fait, on est encore en Coupe de Vendée, on est en 8e de finale. Donc on joue contre Pouzauges le mercredi 1er mai. Donc c'est vrai que ça met un objectif supplémentaire. Donc c'est bien. On fait un bon parcours en coupe pour le club, pour les supporters. On l'a vu lors du dernier match. Ils se sont rendus en nombre au stade pour nous encourager. Donc c'est vrai que ça crée une effervescence et ça c'est vraiment intéressant. Ouais. C'était contre les Épaisses. Les Épaisses Saint-Marc. En fait, moi, j'habite les Épaisses et j'ai été président des Pigalons de football. Et là, c'était... au niveau amateur, à notre niveau, ce que j'ai vu là, le samedi de Pâques, puis il y avait 1 million de spectateurs avec 2 copes extraordinaires. Ouais. Moi, franchement, j'ai jamais vu ça. On les avait reçus. Ils nous avaient parlé des deux brigades qu'ils avaient. Ouais. Mais franchement, on parle souvent du foot en négatif au niveau des ambiances et des comportements. Là, c'était vraiment intéressant et tout le monde a vraiment joué le jeu.
Et ça s'est passé vraiment, franchement, très très bien au niveau des deux clubs. Donc, ouais, ça, c'était le samedi. Ouais, est-ce samedi. Qu'il y a eu un autre tour de fait le lundi? Pour l'USESM, les Épais Saint-Maur. Ils ont joué au Chalandre. Mais pas nous, vous. Pas nous, non. Ouais. Je peux te demander ton avis, justement. Alors, moi, je trouve que c'est une aberration totale, ce calendrier. alors, moi, j'arrive du district du 44, où j'étais pas toujours très fan de leur façon de faire, des décisions qui étaient prises. Là, je crois que le 85 bat le 44, sur le coup. Jouer le samedi, le lundi, rejouer un tour de coupe le 1er mai à cheval, enfin, entre deux journées de championnat. Quand tu n'as plus rien à jouer en championnat, même si bon, tu dis que tu as encore un petit peu un truc, mais voilà. Mm-hmm. Mais les équipes qui sont à la lutte ou pour la montée ou pour le, le maintien, c'est absolument horrible. Je veux dire, c'est hyper compliqué à gérer, quoi. C'est horrible, c'est hyper contraignant pour les, bah, pour les joueurs, pour les, voilà, on reste des, ça reste des footballeurs amateurs. Jouer deux matchs en 48 heures, alors c'est dangereux. Ça, là, on a récupéré des blessés, nous, suite à ces deux matchs-là, en fait, où la réserve a joué le samedi et le lundi. Donc, je te rejoins là-dessus. Hein, c'est vraiment. Enfin, je trouve que c'est dommage vraiment qu'il n'y ait pas plus de réflexion avec les clubs pour qu'on puisse envisager d'autres dates pour éviter justement que les garçons se blessent parce que on met les clubs en difficulté. Ouais. Surtout que le district arrête le 5 mai. Hein. Le 5 mai et nous, la R3, le régional. Le 19. Bah, puis le dimanche de la Pentecôte, 15 jours après. C'est vrai que c'est une grande année sur plein de choses. Il y a des dates encore après derrière. Hein. Mais oui, vous n'aurez pas de joueurs qui vont faire les JO, on est d'accord. Non. Ni l'euro. Mais par contre, pour avoir assisté, non, mais jamais. Non, mais tu as raison de souligner. Bah, juste deux choses, on le demanderait ça à des joueurs professionnels. Bah, ils monteraient tout de suite au créneau parce que eux, ça les fatigue de jouer tous les trois jours. Enfin, au moins notre Ligue 1. Voilà. Et par contre, en fait, on a assisté récemment. Et c'est là que j'ai régulé un petit peu. On a été reçu par le district, tous les clubs vendéens qui jouent en R3, pour nous parler de l'avenir, avec tous ces groupes qui vont être revus et corrigés d'ici 2026. Et là on en a parlé des week-ends à venir. Et là, ce qui était rigolo, c'est que là, aujourd'hui, il n'y a rien de programmé. Ils ne veulent pas toucher à ce grand week-end du 8 mai. Là. Le 8 mai qui est un mercredi, donc. Le jeudi, l'Ascension. Et le dimanche... Le dimanche 12 mai, c'est des matchs remis, enfin, ils vont nous mettre de la coupe, mais ils ne veulent pas toucher parce qu'ils ont à se dire, bah, il va faire beau. Là, on consomme quoi, nous, la France se plaint, voilà, on n'est jamais heureux. Mais bon, là, les gens, on va aller sur la côte, il va faire beau. Hein. Donc là, on ne parle plus de football. Hein. Là, parce que du 8 au 12 mai, le dimanche, il n'y a rien de prévu. Ouais. Hein. Donc il y a bien des dates. Oui, oui. On préfère nous faire jouer. Et puis il y en a encore après. Hein, et puis il y en a encore après, comme tu dis. Mais tu peux finir jusqu'à fin mai, il n'y a pas de problème. Il fait beau, autant jouer là, hein, plutôt que de jouer... Non, exactement. Donc il faut arrêter de parler des loisirs, on est dans le football, puis ça sera un autre sport. C'est mais je partage avec toi, parce que Chavagne, on a eu le même cas, et on a eu trois blessés entre... Enfin, le lundi, là, ça a été... Et même sur les matchs qui se sont joués hier, parce que la répercussion, elle peut aussi se faire après. Je te parle sur le match-là. Il ne faut pas rêver, cette accumulation-là. Comment tu gères tes semaine après derrière, faire deux séances quand tu as joué le samedi et le lundi, faire deux séances avant de rejouer le dimanche, c'est chaud. Et même si tu les fais, tu travailles pas du tout. Enfin, c'est aberrant. Bref, voilà. On est non, mais on a compris ton. C'était le côté sniper. Tu le voulais, tu l'as. Tout va bien. Et j'étais pas impacté. Hein. J'étais pas impacté. Ah, t'as pas été concerné, mais. C'était étonnant en termes de calendrier pour faire un peu du politiquement. Politiquement correct. Il doit y avoir des raisons, hein, mais on aimerait bien les connaître. Bon. Et si on en revient du coup sur la saison des seniors, on va dire, les objectifs, c'était le maintien sur chaque catégorie. Comment vous aviez fixé un peu les objectifs en début de saison? Je vois le président qui regarde son coach. Mais bon, en fait, nous, on est trois personnages dans le club arrivés au même moment en septembre. Donc, le président, bon, c'est un poste clé. L'entraîneur et aussi notre trésorier qui a changé. Donc voilà, le trésorier, c'est moins important. Non, mais enfin, si, bon, il faut un peu d'argent. Mais bon, par contre, bon, nous, cette année, on sortait deux années difficiles en R3 où on a lutté jusqu'à la fin. Mais alors, bon, cette année, c'est mieux. Et c'était le haut de tableau. Hein. Donc là, si on peut finir les 5 premiers, l'objectif sera atteint. Hein. Et c'était surtout le maintien de l'équipe B. Hein. D'accord. Voilà. Mais Aurélien, du coup, c'était ta première année au club.
Donc il fallait s'acclimater et un groupe senior en nombre en plus. Tout à fait, voilà. Il faut. Alors pour moi, c'était. Enfin, il y a toujours un temps d'adaptation quand on arrive dans un nouveau club. Donc voilà, il a fallu le temps d'apprendre à connaître tout le monde déjà, voir les joueurs, les qualités des joueurs de chacun. Donc ça se passe plutôt bien cette année. Bon, tant mieux. Une année fait pas l'autre. Pour l'instant, on est. Comme on disait tout à l'heure, au niveau comptable, c'est bien. Après, là, les objectifs de fin de saison, maintenant, c'est vraiment de sauver l'équipe 3. Et puis, j'allais y venir. Et puis voilà, après, sur l'équipe première, d'essayer de terminer dans cette première partie de classement, dans les six premiers, dans la première moitié. Et puis que l'équipe réserve puisse figurer, elle aussi, dans les cinq premiers. Maintenant, on rabat un petit peu les cartes avec les derniers matchs de l'équipe 3. Donc, ça aura peut-être des incidences aussi sur le classement de l'équipe réserve éventuellement. Ouais. Et puis on peut le voir aussi au niveau des présences aux entraînements. Je crois qu'on n'a jamais eu autant de monde aux entraînements. Malgré la météo, malgré les terrains, on est même obligé de programmer ça serait deux séances au niveau organisation pour répartir un petit peu les joueurs. C'est pas étonnant. Si tu as 100 potentiels, on va dire 80, on va peut-être mettre un petit peu. Parce qu'ils sont à une quarantaine, là, tu 40, 50 à chaque fois. Quarantaine. Ouais, c'est ça, mais oui. Mais tu peux pas sur un terrain. Ah non, c'est pas possible. C'est compliqué. Pas tout le temps, en tous les cas. Ouais. On est bien d'accord. Et avant d'arriver au club, tu étais où? Est-ce que tu jouais déjà enfin, tu étais déjà coach en régional? Comment c'était Alors, moi, j'étais. L'année dernière, j'entraînais pas. J'ai fait une année off. Et. J'ai été 3 ans au club de Saint-Loire-Isernais, donc en 49 en Maine-et-Loire. Mmh. Donc on a fait quand je suis arrivé au club, ils descendaient en D1, donc on a fini vice-champion de D1, on est remonté en R3. Après il y a eu la première année de Covid, on était relégable au moment où les championnats sont arrêtés. Donc on est redescendu. J'ai fait 2 autres saisons en D1 avec eux. Donc là j'ai arrêté et donc suite à ça j'ai fait une année de off. Et avant Saint-Loire-Isernais, j'étais à l'ASPTT Cholet. Donc où aussi j'ai fait 2 saisons en Régional 3 en tant qu'entraîneur. Et donc avant j'ai été 7 ans au FC Neuillobier dans le 79, donc, qui joue en R1 maintenant. Moi quand j'y étais, ils étaient en promotion d'honneur en Régional 3. Donc là j'étais salarié du club et responsable des jeunes sur le foot à 8 et puis sur le foot à 11 aussi. Ouais. D'accord. Donc une bonne connaissance en fait de la région, quoi. Ouais. Enfin, maintenant je commence à bien connaître la région, même si je suis pas du tout de la région. Ouais. Je suis natif de Haute-Normandie. Je suis natif de Dieppe, moi. Donc j'étais joueur au FC Dieppe jusqu'à l'âge de 24 ans et après du coup je suis arrivé en Deux-Sèvres. Voilà. Et il y a une question que j'aime bien poser quand je suis face à un coach senior, c'est le lien avec justement la partie plus jeune. Est-ce que tu t'attardes à aller voir un peu ce qui se passe dans les catégories jeunes, justement, pour voir qu'est-ce qui va arriver déjà l'année prochaine ou dans 2-3 ans? Parce que, mine de rien, l'avenir des seniors, ça passe aussi par là. Est-ce que ça, c'est... Ouais, tu prends le temps d'aller voir les équipes jeunes Surtout les U18, on va dire, qui jouent le samedi, parce que c'est vraiment... C'est la catégorie qui est la plus proche des seniors. Donc, j'ai été les voir 4 ou 5 fois cette saison. Et puis, j'échange régulièrement avec Félix Caillé, qui est le responsable des jeunes. Sur les catégories de jeunes, on s'appelle régulièrement. C'est ce qui m'a intéressé aussi. Je suis venu au club parce que justement, je voulais avoir un relais vraiment avec ce qui se passe sur les jeunes. Et puis... on a un projet vraiment commun, on va dire, entre ce qui se passe sur les jeunes et puis sur la partie senior, parce que effectivement maintenant, si on veut se projeter un petit peu sur des échéances à plus long terme dans un club, je pense qu'il faut avoir une vision plus globale et puis regarder ce qui se passe aussi au niveau des jeunes. Ça fonctionne plus le schéma où on arrive et puis ça va fonctionner sur du court terme, voilà. Donc c'est important, c'est hyper important d'avoir vraiment ce lien là entre les seniors et les jeunes, ouais. Ok, et justement, du coup, je fais le lien
si on parle un peu des jeunes, messieurs, comment vous êtes organisé? Alors, on l'a dit, il y a un salarié qui pilote un petit peu toutes ces catégories-là. Vous avez des bénévoles en plus, référents par catégorie, hein, c'est ce que vous aviez dit tout à l'heure. Est-ce qu'il y a une labellisation ou une recherche de labellisation? Donc, Aurélien l'a cité, donc c'est Félix Caillé, on l'avait pas dit tout à l'heure, notre salarié, là, hein, au niveau des jeunes. Et puis autrement, donc là, on est en train de préparer. On a réunion, ben, la prochaine, c'est dans 8 jours, le 15. Hein. On est en train de préparer notre nouvelle labellisation 2024-2028 avec le projet club. Donc, on a fait tout un groupe de travail avec les élus, avec les parents, les joueurs. Voilà. Donc, et puis, on est en plein dedans. Là, donc, voilà, l'idée, c'est de refaire un petit diagnostic pour après repartir sur une... un projet, comme le disait Laurent, de 4 ans. Et justement, la place des parents là-dedans, comment ça se... Voilà, comment vous les imprégnez un peu dans ces projets-là avec leurs enfants? On parle souvent ici du but de mettre ses enfants au club. Ce n'est pas simplement de faire une garderie, hein, c'est de partager un peu cette passion-là. Ça, vous arrivez à amener les parents dans ce partage, à être imprégné dans le club, à être impliqué? Alors, c'est vrai qu'en début de saison, on essaye et on programme des réunions par catégorie pour sensibiliser un petit peu les parents aussi au rôle qu'ils doivent avoir autour du terrain, aux missions que l'on donne aussi aux éducateurs. Dans l'ensemble, voilà, même si on aimerait toujours avoir plus de personnes bénévoles et à encadrer, dans l'ensemble, ça se passe plutôt bien. Mais on essaye de programmer, voilà, des temps d'échange avec eux pour leur passer aussi les informations. Et puis maintenant, il y a des outils aussi qui permettent au niveau des convocations, au niveau des informations. Vous utilisez quoi comme outil? Sport Easy, oui. Je connais plein de clubs qui sont en train de s'interroger, ou en tout cas un club qui est en train de s'interroger sur le prendre, mais tout le monde me dit que c'est bien. Ouais, je connais un club qui est en visio actuellement, justement, avec Sport Easy. Tout le club va passer dessus, moi. Ah oui, je suis là. Ouais. Moi, je fonctionnais avec, là. C'est vrai que ça fait... Et là, tout le club passe dessus. Ça fait deux ou trois ans. On l'avait testé sur une année. On s'était dit, on va regarder comment ça fonctionne. Et c'est vrai que les retours de Félix, là, qui est le plus gros utilisateur en termes de communication par rapport à ça. C'est fonctionnel, c'est rapide. Donc, c'est plutôt outil qui Et puis, quand c'est un club où il n'y a pas de groupement ou de choses comme ça, je pense que c'est assez facile. La problématique des groupements, c'est qu'il y a un club qui pilote un peu le truc, il y a un deuxième club. Ça fait un peu plus compliqué. Je crois que c'est un peu plus compliqué à organiser, mais là, vous avez la chance, c'est d'être un seul club. Oui. Avec une taille assez importante en termes de nombre de licenciés. Donc, en effet, c'est le genre d'outils qui peuvent aider à ce niveau-là. Donc, des outils qui facilitent. Voilà, qui nous permettent de gagner du temps. Sur la préparation des séances, on sait le nombre de joueurs qu'on va avoir. Exactement. Enfin, c'est vrai que c'est... Ouais, les convocations, tu les fais par Sport Easy? Exactement. Ouais. Après, tout passe par Sport Easy. Donc, c'est vraiment un gain de temps. Ouais. Puis, ça évite aux adversaires d'aller sur le site internet, de voir les convocations juste avant. Ouais, Également. Non, mais c'est tout bête. Mais je sais que c'est... Voilà, nous, c'est le réflexe qu'on peut avoir aussi. Hein. Bah, bien sûr. J'arrive pas à comprendre comment certains clubs le font toujours, ça d'ailleurs. Mais il y en a qui persistent. Qui persistent. Voilà. C'est les spectateurs qui, quelquefois, ont moins accès à cet outil, qui peuvent être dans cette demande-là. Et surtout des anciennes générations qui aiment bien savoir avant de venir qui c'est qui va être sur le terrain. On est bien d'accord. Oui, ils le découvrent le dimanche. Oui, ils le découvrent. Si on parle un peu d'arbitrage, comment vous êtes au niveau du club, au niveau de l'arbitrage? C'est ce qu'on avait oublié tout à l'heure dans la présentation. Donc, par contre, donc, je l'ai présenté tout à l'heure, on est 20 personnes donc, dans le conseil d'administration. On a 14 commissions dans le club, hein, ce qui est énorme, avec des présidents un petit peu partout, parce que nos responsables de commission, on les appelle des présidents. Donc, il y a le président en haut de l'échelle, et puis après, on n'a que des présidents. On en a un en tribune, on en parlera tout à l'heure. Parce que dans les questions, je sais qu'il y a une question qui va revenir. On parlera de lui tout à l'heure. Par contre, nous, on a 5 arbitres. Et ça, c'est notre fierté. 5 arbitres. Moi, je suis arrivé donc au mois de septembre. On en avait 3. Et puis, on a une commission arbitrage qui travaille énormément. Et puis, on en a récupéré 2. Donc, c'est pas rien. On est passé à 5 arbitres. Des jeunes un petit peu arbitres ou que alors, des... non, un tout jeune hein, qui a commencé à 15 ans. Hein, et là, puis qui se débrouille très très bien pour son âge. Et un ancien joueur du club qui a joué en équipe première avec Jean, entre autres, hein, et qui lui était. Qui est jeune aussi. Et qui est jeune aussi. et qui lui, donc,
arbitrait donc bénévolement les équipes dimanche. 3 et 4 le dimanche, et puis qui se débrouillait très très bien, comme dans beaucoup de clubs où il y a beaucoup de dirigeants bénévoles qui s'en sortent très très bien. Et puis lui, il a décidé de passer le pas. Voilà, on l'a incité. Puis le, voilà. Et puis c'est avec grand plaisir qu'il est sur tous les terrains. Donc. Et comment vous faites avec justement pour promouvoir l'arbitrage au niveau des jeunes ? Est-ce que vous avez des actions particulières ? Alors, on organise, c'est vrai, pendant les vacances, des stages avec nos jeunes. Donc Félix met en place ces stages. Et on essaye de le sensibiliser aussi, à lui dire, bah, essaye de programmer des temps où les jeunes voient nos arbitres aussi. Parce que c'est en le réalisant qu'on se rend compte aussi de la difficulté du rôle. Et indirectement, le fait d'arbitrer aussi, quand on est sur le terrain après en tant que joueur, je pense que ça devrait être un peu obligatoire pour tous les joueurs. Déjà pour connaître un peu les règles aussi, parce que quelquefois, on est vite dépassé par l'évolution des règles. Mais on essaye voilà, de programmer des temps. Avait été soumis aussi l'idée de programmer des temps avec les seniors sur... à partir de séquences vidéo et puis de se dire bah là qu'est-ce qui se passe, comment on agit, et que Cédric Fuseau là, qui est notre monsieur arbitre au niveau du club, bah, puisse animer ces temps-là, échanger. Donc c'est aussi des pistes de réflexion et des axes d'amélioration à avoir sur les années à venir. Oui, puis il y avait eu une action je crois du district qui, le but c'était de faire arbitrer des matchs par des U15, des choses comme ça, et comme j'ai l'habitude de dire, bizarrement quand ils ont arbitré un match le week-end d'après, ils disent rien sur l'arbitre. Hein, parce que quand ils s'en sont pris un petit peu, eux, de leur côté, je pense que ça amène à voir un peu les rôles de chacun. Juste, messieurs, j'en profite juste pour... On parle de l'arbitrage. Hein, juste un petit hommage à Patrick Madilin, qui est dit Patoche, qui était un arbitre bénévole depuis 30 ans, qui appartenait au FCCR, qui est décédé il y a quelques semaines. Donc voilà, je tenais, parce que je n'ai pas eu encore l'antenne depuis... à lui rendre un petit hommage également. Il a eu des hommages tous les week-ends, là, même au Mondial de Montaigu, etc. Donc voilà. Et ça a paru dans la presse. Ouais. Il était très connu, pareil, dans le monde de l'arbitrage. De vidéo, ouais. 30 ans d'arbitrage, je pense que ça joue un peu sur le district. Si on parle du club, on parle aussi d'un budget, obligatoirement. Alors nous, le budget annuel est d'environ 150 000 euros. Ouais. Donc voilà, c'est... Il y a plus, il y a moins, il y a beaucoup moins, parce que donc on le voit, nous, par notre championnat, bon, c'est les 5 départements, donc Pays d'Aloire, donc il y a beaucoup moins que nous, donc on est bien placé, mais il faut ça, parce qu'on a un salarié, on a des apprentis, voilà, et puis faut des sponsors, et puis... Justement, le budget, alors il y a la buvette, en général, ça tourne un petit peu, il y a les sponsors aussi, il y a les partenaires. Là, vous avez une commission, je suppose, spécifique pour proposer des partenariats. Enfin, en tout cas, aller chercher les partenaires. Parce que sans ça, il n'y a pas de foot amateur. On a 80-90 partenaires. Il y a un vrai club partenaire derrière. Ouais, du plus petit jusqu'au... Parce que, peu importe. J'ai l'habitude de dire, il n'y a pas de petit ou gros partenaire. On a bien 90 partenaires. Ouais, beau club partenaire. Qu'il a fallu relancer comme partout, parce qu'il y a eu ce sacré Covid qui nous a tous handicapés. Mais voilà, tout le monde est bien reparti et puis ça se passe plutôt bien. Ouais. Et est-ce qu'il y a des événements que vous faites dans l'année aussi qui rapportent un petit peu dans les caisses du club, des événements un peu annuels qui reviennent ? Donc là, nous, on a 4 fêtes importantes. Donc là, on a le premier samedi de septembre, donc à Saint-Michel-Mont-Mercure, donc le 3 jeunes. Un tournoi jeune annuel donc, qui concerne les équipes U10, U11, U12, U13. Avec notre président de commission pour ce tournoi, M. Pifetot Benoît, qui est dans le public ce soir, hein, voilà, qui est le monsieur tournoi. Hein, et avec Jean, qui l'accompagne aussi dans cette commission technique jeune du club. Hein. Après, donc, on a notre traditionnel, dans la continuité au mois de novembre, repas dansant. Ce qu'il faut, voilà, on a tout public, là on a les anciens, les jeunes, voilà, il nous faut aussi des moments comme ça pour se retrouver. On a aussi donc, notre concours de belote et notre concours de palais. Et puis ça, les repas emportés, généralement. C'était au mois de février, bon, ça s'est fait dans beaucoup d'endroits, hein, parce qu'il fallait trouver de l'argent.
quand la compétition s'est arrêtée, donc on s'est mis au plat emporté, hein, ce qui existe partout maintenant. C'est bon. Ouais, mais tout ça, enfin, ça vient pas comme ça. Il faut des bénévoles derrière pour animer. Il faut des bénévoles pour donner du temps aussi. Il faut du temps, ouais. Et tout à l'heure, on en parlait un petit peu, hein, mais je pense que s'il y a un grand merci à donner, c'est aussi à ces bénévoles du club. Ouais, et puis on dit toujours que la Vendée, maintenant c'est vrai que la Vendée, on est plutôt pas mal, hein, en bénévolat, parce que c'est dans le sport en général, il y a ce qu'il faut, puis chez nous aussi, puis il faut, parce que pour tirer une machine comme ça de 410 licenciés, il faut être armé à la base, et puis ça se passe plutôt bien. Et si on peut, si vous pensiez à des grands moments de la vie du club, passés, des choses un peu qui vous ont marqué. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous vient un peu à l'esprit ? Bah moi, ce qui me vient à l'esprit, c'est 2011, hein, c'est la finale de Coupe de Vendée, qui se déroulait à Saint-Jean-de-Mont, et bah avec un public qui nous avait suivis. Là, je ne sais plus combien il y avait de personnes, mais c'était... Tu jouais ? Je jouais, oui. Donc je jouais, on avait perdu 5-2 contre la Roche VF. Bon, on était revenu quand même à 3-2 à quelques minutes de la fin, et puis après... voilà. Mais l'ambiance générale et le parcours avait été vraiment formidable. Je pense que beaucoup de personnes s'en souviennent. Ça avait été aussi très fondateur et très moteur au niveau du club. Je fais un petit teasing d'ailleurs, hein, puisque on reçoit notre ami Mathieu Degnaud après, qui a écrit le livre, donc Un siècle de football en Vendée. Et je crois qu'il y a la photo, justement, tu pourras regarder après, ouais, dans le livre pour retrouver la photo en question. On regardera si c'est la bonne photo. Il faut que ça soit la bonne, et puis il fallait que tu aies le beau sourire dessus. Voilà. On va vérifier. La vie d'un club, c'est toujours, on pense toujours aux grands moments, hein, aux beaux moments. S'il y a des choses, bon là je m'adresse souvent au président, même à l'ancien président, un peu des choses un petit peu plus compliquées à gérer au quotidien. Bon. Toujours des sujets un peu compliqués, mais... Non, mais cette année, franchement... Si ça ne ressort pas, c'est très bien. Si, mais la logistique des terrains et de l'organisation, on voit bien qu'on lui passe un petit message. Là, Roland Blandin, qui est notre monsieur terrain et qui essaye de, chaque week-end, dire où sont les matchs, telle équipe. Et c'est vrai que c'est du bénévolat, mais c'est beaucoup de temps, beaucoup d'échanges, beaucoup de communication. Ouais. Et c'est important que tout le monde le comprenne aussi au niveau du club, parce que les choix des bénévoles et des dirigeants, quelquefois, vont à l'encontre des choix que les joueurs aimeraient avoir. L'idée, c'est de quand même d'essayer de bien communiquer pour se faire comprendre. Dans l'ensemble, ça se passe bien, mais quelquefois, on est frustré de ne pas pouvoir jouer. Mais on a vraiment des terrains qui ont aussi des fonctionnements et des différences, donc on essaye de s'adapter à toutes ces différences-là. Alors, je vais revenir juste sur l'état des terrains et je vais me tourner vers le coach senior. Tu as dû être impacté un petit peu quand même sur cette saison, pour tes séances notamment. Tu as dû en annuler. Comment tu fais quand les terrains sont impraticables ? Est-ce que tu as une solution de repli en salle ou ailleurs, sur du futsal ou autre ? Comment tu fais ? Alors, on a dû annuler peut-être deux séances, je crois. Ouais, deux séances cette année. Quand on a des intempéries comme cette année, ouais, on a été en salle, ouais, plusieurs fois. On a quand même, bon, la chance d'avoir une salle de repli le vendredi soir, pas sur la séance du mercredi. Ouais, mais il ne faut pas 40. Si t'as 40, bonhommes, c'est foutu. Du coup, le vendredi, on fait deux créneaux à chaque fois sur les séances en herbe. On fait deux groupes de 20 ou 25 personnes le vendredi. Et du coup, bah, quand on est en salle, c'est pareil, je fais deux créneaux. Que tu animes ? Que j'anime, ouais, d'une heure et quart le vendredi soir. Voilà, on a cette solution-là le vendredi soir. Après, c'est vrai que le mercredi, malheureusement, cette saison, on n'avait pas de salle de repli, donc ça a été compliqué parfois. Ouais. Ouais. Et est-ce que tu sens malgré tout une certaine lassitude de certains joueurs qui pourraient avoir des envies d'ailleurs, de par ces infrastructures, ou malgré tout, ils restent attachés au club ? Pas forcément, je pense que c'est des garçons qui sont quand même bien identifiés au club, donc c'est vrai que là-dessus, j'ai pas trop de doutes par rapport à ça. Moi, j'ai eu un peu de lassitude personnellement sur le fait d'aller en salle, par exemple, hein, pour animer une séance en salle, quand on est, voilà, on va rester un peu sur la même configuration ou sur les mêmes choses, quoi, malheureusement. Mais oui. Hein, c'est difficile de faire de diversifier sa séance. C'est là-dessus que ça peut être un peu plus compliqué. Donc voilà, c'est vrai que on espère que le temps là, ouais, va changer rapidement. Voilà. Alors ça peut être plus compliqué, par contre, pour en attirer.
Ça peut être un frein, par contre, pour attirer des joueurs. Oui, parce que vous, en termes de club, on parlait de Pouzeau tout à l'heure, mais est-ce qu'il y a des clubs qui ont justement ce pouvoir d'attraction un petit peu plus supérieur qu'un joueur peut hésiter entre plusieurs clubs, ou vous êtes assez peu concerné au final? On le disait un peu tout à l'heure, ce que disait Aurélien, les joueurs s'identifient quand même beaucoup à leur club, que ce soit chez nous, mais même ailleurs. Après, ça peut être le niveau de jeu qui peut faire déplacer un peu les personnes entre clubs, mais par contre, ça peut être plus difficile, oui, pour faire venir, pour attirer un peu plus. Ouais. Si là, tu fais venir un gars pour lui dire, viens, je vais te montrer sur quoi on s'entraîne pour la saison prochaine. Non. C'est un peu délicat. Mais s'ils sont bons sur ces terrains-là, ils sont très bons, très bons sur les autres terrains. C'est ce qu'il faut se dire. Et puis on dit toujours que le meilleur recrutement, c'est toujours déjà de garder les joueurs qu'on a au club. Pour l'instant, c'est plutôt, il y a pas beaucoup de départs d'une année sur l'autre. Donc ça veut aussi dire que les joueurs se plaisent ici. C'est vraiment. Mais on récupère du monde un petit peu d'extérieur. Parce qu'on en a récupéré un au mercato hivernal. Parce que même chez nous, dans le monde amateur, on bosse pour les différents mercato, donc et on a récupéré un très bon joueur du VHF pour ne pas citer le club, donc qui joue en première, qui fait les beaux jours de la première en ce moment. Donc, et qui est originaire de Sèvremont. Mais qui est originaire de Sèvremont. Il est retourné aux sources, ça, là. Mais souvent, ouais, souvent, la maison, ouais. Souvent, on a des jeunes qui vont partir sur les 12, ouais, 13, 14 ans, et derrière, c'est aussi qui viennent faire le boulot, j'ai envie de dire, et qui viennent accompagner, apporter un plus par leur expérience. Ils bénéficient d'une formation qu'ils ne pourraient certainement pas avoir dans nos petits clubs à nous. Tout à fait. Et voilà, après, c'est tout bénef pour nous. On est bien d'accord. Bah, je vais aller encore plus loin sur le verre à moitié plein. C'est que c'est même un avantage pour vous, messieurs, ces terrains-là. Parce que quand les autres, ils ont l'habitude de s'entraîner sur leur synthétique, ouais, et qui se retrouve sur votre terrain. Pousse pas trop quand même, Pierre-Yves. De là à le tourner en avantage, enfin, je sais pas ce qu'on pense, Aurélien. C'est ce que je vends à l'équipe B senior tous les week-ends. Ouais, alors, si tu veux, vends-le, très bien. Je sais pas ce que tu vends, si tes gars te l'achètent, j'en sais rien, mais non, on va pas dire que c'est un avantage. Bon, mais je vois où tu veux en venir. Non, mais juste pour compléter, parce que les joueurs aujourd'hui, bon, si on avait un synthétique pour s'entraîner avec la saison qu'on a, ce serait très bien. Par contre, le dimanche, ils veulent jouer sur les terrains en herbe. Ah, bien sûr. C'est un outil de travail. C'est un outil de travail. Il en faut un. Il ne faut pas avoir que ça. On est bien d'accord. Non. Parce que le foot, malgré tout, moi, je le pense aussi, se joue sur pelouse. Vrai, c'est parfait. Mais malgré tout, en avoir un, histoire de dépanner de temps en temps. On est bien d'accord que c'est idéal. Traditionnellement, dernière question. Si vous souhaitez remercier quelqu'un en particulier au sein du club ou pas d'ailleurs, parce que c'est toujours compliqué, hein, parce qu'on a toujours peur d'oublier quelqu'un, mais si vous avez un peu des figures emblématiques à remercier, des remerciements un peu généraux, sinon... L'ensemble des personnes qui peuvent donner de leur temps au club, hein, ça va des traceurs de terrain, des barman, des personnes qui sont aux entrées, et puis l'ensemble des personnes qui s'investissent un peu plus aussi au sein du bureau depuis 15-20 ans, parce qu'il y a des personnes qui ont connu leur club respectif de la Flosselière, de Saint-Michel, de la Pommeraye, et ensuite il y a eu cette fusion, donc toutes ces personnes ont permis aussi la réussite de Sèvremont aujourd'hui, donc voilà, l'ensemble des personnes qui donnent un peu de temps et qui partagent nos événements aussi. Est-ce qu'il y avait quelque chose à rajouter qu'on n'a pas évoqué, que vous souhaitiez évoquer? Je regarde le Fagnon derrière toi, donc puis la grosse échéance l'année prochaine en 2025, donc où on fête les 20 ans, donc de la fusion de nos quatre communes. Donc voilà, c'est encore quelque chose qui va marquer l'histoire du club, ça. Ouais, ça promet une belle journée, soirée. 2025, ouais. Bon, on n'a pas encore bloqué la date. Non, mais on va s'y pencher, mais bon, ça va. Faites-la au beau jour, hein. Ah oui. On va choisir. Ouais. Puis n'hésitez pas à nous tenir informés, parce qu'on serait content de venir voir une petite. On vous invitera. Sans alcool. Une bière sans alcool. oui, bien entendu, si tu arrives. Voilà. On va être sérieux jusqu'au bout. Merci, messieurs, pour cette belle présentation de votre club. J'espère que vous avez eu le temps d'exprimer un peu tout ce que vous aviez à dire. Et en tout cas, nous, j'ai beaucoup apprécié cet échange, et on voit encore une fois la passion. Qui est là et qui regroupe ces quatre communes, donc très 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 intéressant. Merci encore. Je vous propose, Fabrice, je suis désolé, tu me coupes l'herbe sous le pied. Je sais que tu avais grandement préparé tes actus, alors juste je crois que c'était la première fois en plus qu'on en avait autant, c'est-à-dire que je suis allé vraiment
la Nationale 2, je suis allé chercher nos copains des Herbiers jusqu'à la D2. Bah oui, parce que plus on a invité de club, plus tu as des actualités. Exactement. À faire. Donc, je vous invite à vous rendre sur le site de la Ligue pour aller voir tous les résultats des clubs. Juste, tu as quand même une petite exclue. La dernière émission, tu nous disais qu'il y avait un changement au niveau des coachs Montaigu. Oui, alors bon, c'est plus une exclue maintenant, parce qu'effectivement, c'est officiel. Donc, le Montaigu Vendée Football a trouvé le successeur donc, de Mathieu Guéguin en la personne de Julien Ciclon, ancien joueur du club, donc, qui revient, qui était allé sur la Roche jusqu'à la saison dernière. Lui aussi a fait une saison off. Et donc, c'est lui qui aura en charge le groupe senior du Montaigu Vendée Football la saison prochaine. Voilà. Merci Fabrice pour ces actualités durement préparées. il m'en veut. Absolument m'en pas. Veut. Il a absolument beaucoup travaillé pas. Le truc. Non, bon, je vous propose, on passe. Il y a plus intéressant. On va passer tout de suite à la troisième mi-temps. Le Digafoot des amateurs, la troisième mi-temps. Alors Mathieu, vas-y, prends une place. Alors il y a quelqu'un qui va laisser sa place. Voilà. On est en direct. C'est le remplacement. Voilà. Merci, ouais. Merci Aurélien en tout cas. Du coup, Mathieu, donc, qui a écrit ce livre qu'on parle depuis tout à l'heure, là, Un siècle de football en Vendée, qui vient juste de paraître, si je ne me trompe pas, c'est au mois de mars. Oui, c'est bien ça. Et du coup, merci en tout cas de nous faire le plaisir d'être présent ce soir pour cette émission. Est-ce que tu peux nous faire juste un petit speech de ton livre ? Parce que moi, je suis incapable de le faire. Hein. Je suis pas bon là-dedans et je pense que tu seras bien meilleur que moi pour le faire. Alors, c'est un livre qui retrace toute l'histoire du football vendéen, donc des origines à nos jours, et qui parle de presque tous les clubs, quel que soit le niveau des clubs, à travers une histoire marquante ou deux. Ça peut être le récit d'une épopée marquante, ça peut être le portrait d'un dirigeant emblématique, un fait insolite, une anecdote, voilà. Et comment ça t'est venu cette idée du coup d'écrire ce livre ? Toi, t'es toi-même imprégné par le foot amateur en Vendée à la base ? Oui, je joue au foot depuis tout petit. Quel club ? Alors, je suis originaire de Saint-James-la-Plaine. Donc, le club s'appelait l'Entente Sportive Gémoise. Ensuite, il a fusionné avec les clubs de Nallier et Mouzeuil-Saint-Martin. Ça s'appelle Foot Espoir 85. Il y a Saint-Aubin-la-Plaine maintenant qui s'est rajouté. Et puis, depuis quelques années, je suis sur la Roche-sur-Yon. Donc, je joue au club de Némi. D'accord. Et du donc, coup, très imprégné dans le foot amateur. Voilà. Donc, d'où l'idée d'écrire ce livre. Ouais, comme ça, tu t'es levé un matin, j'ai dit, pourquoi pas ? Presque. Non, j'avais fait des recherches personnelles sur mon club d'origine. Et puis, j'ai voulu... ça a démarré en 2020, pendant le confinement. J'avais un peu plus de temps libre, comme tout le monde. Et j'ai voulu élargir et faire des recherches sur... quels étaient les premiers clubs vendéens, comment tout ça s'était mis en place. Et de fil en aiguille, je me suis lancé le défi d'écrire ce livre. Et c'est ton métier à la base d'être écrivain ou... Pas du tout. Non. Ton métier, c'est quoi à la base ? Je suis agent administratif dans la fonction publique territoriale. D'accord. Ah oui, donc tu as du temps. Pardon. J'en étais sûr. Il fallait que quelqu'un la fasse. je l'attendais. mais après, j'ai quand même fait des études en communication et en presse écrite. Donc, j'avais quelques capacités. Mais merci de couper le micro de Fabrice, qui n'est pas sympa avec nos invités. Bon. Oh, c'était sympa. C'était dissous dans la rigolade. Non, mais je pense que tu as l'habitude, par contre. Oui. Ouais, bon, voilà. Moi, j'ai une question. Est-ce que tu as combien de clubs, grosso modo, de recensés dans ton livre, là, à peu près ? Alors, le maximum qu'il y a eu en Vendée, c'était à la fin des années 80. Il y en a eu 272. D'accord. C'est-à-dire plus de clubs que de communes. Ah oui. OK. Il y a certaines petites communes qui n'avaient pas de club, mais il y en a d'autres où il y en avait deux ou trois. OK. Et maintenant, on est descendu à 140 avec toutes les fusions qu'il y a pu y avoir depuis une trentaine d'années, on va dire. D'accord. Et tu arrives à parler des 140 dans ton livre ? Comme je vous disais, c'est plus les clubs avant les fusions, mais presque tous sont évoqués. Après, il a fallu faire des choix aussi en fonction de l'intérêt des histoires pour que ça parle au plus grand nombre. Mais oui, quasiment tous les clubs sont évoqués. Mais t'as réussi, pardon, je te coupe la parole. Vas-y. T'as réussi à avoir. Est-ce que ça n'a pas été trop compliqué de prendre contact avec tout le monde, d'avoir les retours en temps et en heure des uns et des autres ? Il y a un peu de temps à passer quand même, malgré tout. Oui, tout à fait. Oui. En fait, la démarche, ça a été de
contacter le président ou le secrétaire du club et d'être mis en relation un peu avec la mémoire vivante de chaque club pour qu'il me raconte ce qui a pu se passer dans son club. Et puis de consulter leurs archives s'il y en avait aussi. Et du coup, combien de temps pour écrire ce livre ? Alors en tout, c'est presque 3 ans de travail et à peu près 1 an pour sillonner toute la Vendée pour aller à la rencontre des dirigeants de clubs vendéens. Et s'il y a une ou plusieurs rencontres qui t'ont particulièrement marqué là, dans tes recherches, dans tes rencontres avec les différents protagonistes de clubs, je suis persuadé qu'il y en a une ou deux qui ont dû te marquer plus que d'autres. Forcément, oui. Après, globalement, c'était souvent des gens passionnés qui ont consacré beaucoup de temps à leur association, donc ils étaient contents d'échanger à ce sujet. Une des plus marquantes, c'était avec Marcel Lormeau, qui est assez connu en Vendée, qui a été longtemps au district de Vendée, qui est assez âgé maintenant, mais qui a une grande mémoire et puis une grande connaissance du foot vendéen. Donc c'était très enrichissant de discuter avec lui. Ouais, puis moi, j'ai eu la chance de lire le livre pour préparer ce petit échange. Et en fait, j'ai eu le ressenti que tu t'étais donné comme objectif d'essayer de mentionner un peu la vie de chaque club sans en privilégier l'un ou l'autre. Je ne sais pas si c'était ton idée en l'écrivant, mais en tout cas, moi, c'est le ressenti que j'ai eu en le lisant. Oui, c'était un peu ça l'objectif. En fait, la place que j'accorde à chaque club n'est pas forcément proportionnelle à la place qu'il a occupée dans l'histoire du foot vendéen. Vous allez retrouver évidemment les histoires sur les grands clubs, sur La Roche, sur les Sables, Luçon, Fontenay, les Herbiers, etc. Et puis juste à côté, vous avez parfois une page ou une demi-page sur le club de Longeville, d'Épinot. Voilà. Peu importe le niveau, j'ai vraiment voulu accorder de la place à tout le monde. Et j'avoue que j'ai appris plein de choses, notamment sur les origines plutôt religieuses en fait, du football en Vendée. Et j'avoue que je ne connaissais pas du tout cette partie-là, mais je vous invite vraiment à découvrir parce que c'est vraiment, vraiment enrichissant. Puis en plus de ça, il y a eu, il y a des anecdotes qui sont rapportées, qui sont toujours un petit peu... Alors, il y en a certaines un petit peu cocasses, un petit peu marrantes. Moi, je me suis noté le ballon Suze. Oui. ça m'a bien fait rire le trophée ballon Suze. Alors aujourd'hui, je pense que ça serait. Ce serait pas possible aujourd'hui. Mais parce que c'était, si tu peux un peu nous en parler, c'était un trophée. C'était une compétition qui était organisée dans les années 70-80 et qui organisée par le district et certains organes de presse et la société Pernod qui offrait de la boisson et des équipements ballon Suze. Je pense que ça marcherait encore aujourd'hui si ça. Alors, ça marcherait, mais je suis pas sûr que ça plaise à tout le monde. J'ai connu, c'était pour le challenge de l'offensive. Aussi, je suis allé à une soirée mémorable au Paris-sur-Vie, une soirée Suze. Bon voilà. Oui. Sans souvenir, c'est déjà bien. C'était des grands moments. Des grands moments. J'ai bien connu. Non, mais c'est bourré de choses comme ça. Le mot est bien trouvé. Non, il y a plein d'anecdotes sur la vie des clubs, sur les conditions de jeu aussi, qui ont beaucoup évolué au cours du siècle. Complètement. Dans les années 20, 30, 40, les joueurs se déplaçaient à vélo, ils jouaient dans des champs. Marc, si on veut se rassurer, je pense qu'on peut prendre le bouquin, donc on va regarder l'état des terrains. Justement, tu vois, je m'étais noté une anecdote. Ouais. Alors sur la Saint-Louis, qui était à Chavagne, c'est anciennement, donc maintenant c'est Chavagne, la Rabatelière. Et en fait, j'ai bien aimé l'extrait, parce qu'on disait, ils jouaient sur un terrain à la Boltière, avec un terrain en pente, dimension non conforme, et ensuite il fallait démonter les buts parce que c'était place aux vaches. C'était un champ en fait. Ouais, l'engrais, pour l'engrais. Ouais, donc c'était. Il remontait les buts tous les dimanches. Donc on relativise en plein, mais finalement. Bon, par contre, il ne faut pas trop que les communes écoutent là, sinon ça t'étonne. Une petite question, c'est au niveau sanitaire, est-ce que tu as relevé dans ton livre, parce que moi je l'ai connu, des clubs, je ne citerai pas le nom, où il n'y avait pas de vestiaire, les joueurs se lavaient à la Tenao. Hein. Bien sûr. Hein. Donc tu l'as dans ton livre, ça. C'est ça, oui. Ça existait. Il y a même pire que ça, les joueurs se lavaient dans les ruisseaux ou les fossés à une époque. Donc, ils se changeaient dans une grange. Enfin, voilà, tout ça est relaté et ça donne lieu à des situations assez cocasses parfois. Et puis je pense qu'il y a des choses en plus qui ne seraient pas idiotes à reprendre. Alors je reprends pas le cas du Suze, tout ça, mais il y a des choses que j'ai trouvées intéressantes et qui pourraient revenir aujourd'hui, ça ne serait pas trop mal. Je notais aussi les gentlemen de la deuxième division, concernant le fair play en fait. Et je trouvais que le principe était excellent. C'est une compétition qui s'appelait la Coupe de la Courtoisie et qui récompensait l'équipe la plus fair-play
d'un groupe de championnat. Et puis c'est les adversaires qui voilà. votaient à bulletin secret pour ce club-là. Et ça, j'ai trouvé ça énorme. C'est qu'en fait, à chaque fin de match, les deux équipes notaient son adversaire. Et à la fin de la saison, il y avait un total et on décernait le. Et ça, je trouve ça énorme. Et je dis, ça serait, peut-être une idée à mettre au goût du jour. Parce que je pense qu'on ferait plus attention aussi. Quoi. Ouais, mais quand c'est les adversaires qui jugent, c'est honnête. Quoi. C'est juste. Normalement, oui, effectivement. Ouais. Oui, alors peut-être. On peut citer un ou deux exemples où ça peut. Mais ça reste une exception. Longue, quoi. Ouais, mais il y avait. Alors je ne sais pas si ça existe encore. Hein, dans le 44, le remise du trophée du fair play. Je crois que ça récompensait l'équipe qui prenait le moins de cartons dans le championnat. Ouais, mais tu vois, je trouve que c'est différent encore. C'est pas pareil encore. Non, mais du coup, il y avait quand même cette notion-là. Et elle gagnait un jeu de maillot pour l'année d'après. Mais la notion est différente, on est bien d'accord. Là, le fait de faire voter effectivement les adversaires. Ça montre encore un peu plus de choses. Ouais. Ça existait aussi dans les années 80, il y avait aussi une récompense pour les clubs qui prenaient le moins de cartons. Mais les cartons, mais on le voit même en haut niveau, ça. Ça existe en Ligue 1, Ligue 2, tout ça. Mais je trouve que c'est pas pareil que. Parce que tu peux te prendre un jaune pendant un match sans que tu n'as pas été fair play avec ton adversaire. Non, mais je suis entièrement d'accord avec toi. Et qui retrace de l'accueil jusqu'au départ de tes adversaires, effectivement. Toutes ces notions-là, on pourrait mettre ça en valeur, effectivement. Peut-être un axe de réflexion avec le calendrier du district à revoir. Peut-être en parler. Je note. Et du coup, le livre, comment il a été reçu justement par le district parce que je suppose qu'il y a eu une démarche qui a été faite envers eux. Oui, alors Jean-Jacques Gazot, le président du district, l'a lu. Il écrit un petit mot d'ailleurs au début de l'ouvrage. Ouais, il y a deux préfaces. Oui. Et puis, les retours sont très bons globalement. En plus, ça n'avait jamais été fait. Donc, pour eux, c'est aussi une trace un peu de tout ce qui s'est passé depuis un siècle en Vendée. Ils n'avaient pas forcément tout ça dans leurs archives. Donc, je pense qu'ils sont satisfaits. Oui, du coup, les retours sont de la part du district, en tout cas, doivent être très bons. Enfin, ce que j'ai pu comprendre de sa préface, en tout cas, je pense qu'il était, content qu'on parle du football vendéen. On est bien d'accord. Alors moi j'ai une question. Alors elle va peut-être, on va sortir du contexte sportif. Financièrement, comment est-ce que il y a combien de pages 300. Si tu veux que je coupe son micro, tu le dis. Non, je veux pas savoir le 360. Il y a 370 pages grosso modo. Donc il y a forcément un coût effectivement aussi à l'édition de ce livre-là. Comment est-ce que je veux pas connaître le budget de quoi que ce soit, mais comment est-ce que tu as fait justement pour pouvoir intéresser du monde vraiment et amener du monde avec toi dans cette aventure-là pour pouvoir financer cet ouvrage. Alors en fait, j'ai démarché le Centre Vendéen de Recherche Historique. C'est une maison d'édition de La Roche-sur-Yon qui est un peu spécialisée dans les ouvrages sur le patrimoine, l'histoire de la Vendée, les guerres de la Vendée. Ils n'avaient jamais fait d'ouvrage jusqu'à présent sur le sport, mais du coup, ils ont été assez vite emballés par le projet. Et donc, c'est eux qui prennent le risque financier. Moi, j'ai remis l'ouvrage. Après, on travaille en collaboration pendant un certain temps. On fait la mise en page. Et ensuite, ils ont leur réseau de distribution aussi. OK. Donc, c'est l'éditeur, en fait, t'as fait confiance par rapport au projet avant que tu l'aies écrit ou pendant ou comment ça s'est fait Je les ai contactés au début du projet. Et après, on s'est revus quelques années après pour faire le point. Et puis, ça s'est fait comme ça. Très bien. Ouais, c'est bien, c'est bien. Et puis, je crois avoir entendu que tu participais au printemps du livre de Montaigu également. Oui, les 20 et 21 avril, à Montaigu. Donc, tu seras en dédicace à ce moment-là. Donc, n'hésitez pas encore une fois à venir rencontrer Mathieu. Et clairement, Fabrice, je sens que tu as une question, j'ai fini, pose ta question. Ah. Où est-ce qu'on peut l'acheter? Il est dans les casques, là, c'est ça. Oui. Bon. Alors, on peut le retrouver sur le site internet de l'éditeur, donc le Centre Vendéen de Recherche Historique, et puis dans la plupart des librairies vendéennes, espaces culturels. Et au prix de? Au prix de 29 euros. Pas cher. Donc, il faut que l'ensemble du football vendéen l'achète. Hein. On te le fait à 39.
Non, mais par contre, dans les tournois, messieurs, si vous en organisez un, ou enfin, on peut même le passer le message au club qui vont organiser. Là, il y a les tournois qui arrivent là, pour, que ça soit pour des jeunes ou moins jeunes. Oui. Hein, il y a les tournois de sixte, etc. Je pense que ça peut être un lot sympa à faire gagner. Et puis, je pense que Mathieu s'en plaindra pas s'il a quelques commandes. Ça peut être aussi une récompense pour des arbitres, des éducateurs, des bénévoles. Ou des bénévoles qui ont passé du temps et qui ont certainement des souvenirs de ces périodes-là aussi. C'est le but aussi, c'est que ça réveille des souvenirs chez tout le monde, que chacun y retrouve une tête familière, un nom familier. Voilà. Très bien. Et si tu as un dernier mot à dire, un remerciement peut-être par rapport à ton livre ou comme tu, tu es libre. Je vais en profiter pour remercier Philippe Violeau quand même, qui est assez connu et qui est un ancien joueur professionnel qui a joué à Auxerre à Lyon, qui est sorti de Froidefond en Vendée. Qui m'a fait l'honneur de m'écrire un petit mot en préface. Donc, voilà, je voulais remercier. Parfait. En tout cas, j'encourage vraiment tous ceux qui aiment le foot et le foot amateur en Vendée d'acheter ce livre, car réellement, c'est... Alors, moi, je le présente un peu comme une vraie encyclopédie historique du foot vendéen. Et ça va parler, je pense, à beaucoup de Vendéens qui sont tous les week-ends là, au bord des terrains. Et moi qui suis assez récent hein, dans le foot amateur vendéen, réellement, ça m'a appris à découvrir tout ce qu'il y a autour. Alors bien sûr, on est à la recherche de son club, mais on sort de ça en fait. On prend vraiment plaisir et je souhaite beaucoup de succès en fait à ce bien livre. Sûr, ouais. Et merci encore hein, de ta présence aujourd'hui. Merci à vous. On arrive à la fin de cette émission. Messieurs, j'espère que vous avez pris autant de plaisir que nous, en tout cas, parce que Fabrice, lui, il en a pris plein, ça se voit, il s'est fait plaisir aujourd'hui. Mais tant mieux, ça se voit. Un grand merci donc à vous, représentants du Sèvres-Mont, hein, pour votre présence et le partage hein, sur votre club. Mathieu, merci encore pour la présentation de ton livre. Et encore une fois, beaucoup de succès. C'est tout ce que je peux te souhaiter. Merci à l'excellent Axel en régie qui a dû faire on lui a pas coupé son micro mais on aurait pu. Merci Fabrice. Merci Pierre-Yves. Oh, j'aime bien t'embêter. Oui, je sais. Mais en plus voilà, on t'a limité dans tes actus donc il fallait mais attends, il y a quand même une actu qui est importante Fabrice. Il te reste 4 matchs, c'est ça? Allez pas me porter la poisse. Bon, je m'étais. Il reste 4 matchs. Mais le message il reste passé. 4 matchs comme tout le monde, il reste 4 matchs. Voilà, le message est passé mais j'espère matchs. Que tu nous inviteras s'il y a que ça à faire, je me le souhaite. La semaine prochaine, vous retrouverez le Digafoot avec l'excellent Simon Jarnot. Et nous, on se retrouve dans 2 semaines pour une nouvelle émission. Ciao! C'était le Digafoot des amateurs avec Inextenso, expertise comptable aux Herbiers. Toutes les infos sur inextenso.fr. C'était le Digafoot des amateurs avec Inextenso, expertise comptable aux Herbiers. Toutes les infos sur Inextenso.